Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister V-Boy 45, j'espère que vous allez bien. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé la suite de ce Super Mario Odyssey. Je me suis dit que j'avais envie d'y jouer et fallait pas que j'y joue en cachette. Ça serait bien dommage, évidemment. Donc, n'hésitez pas, je suis en live, évidemment, vous le voyez, avec le chat affiché des coucou YouTube. Salut les gens, salut à tous ceux qui viennent d'arriver. J'espère que vous allez bien, je suis toujours dans la maladie. Ce rhume qui s'est emparé de moi et de ma chaîne, ainsi que mes lives depuis 3-4 jours, mais comme tout rhume, ça dure environ 7 jours. Donc, c'est la période d'incubation, c'est comme ça que ça se passe chez McDonald's. J'aurai le nez bouché, mais c'est pas grave. L'important, c'est qu'on se retrouve et que ce soit très sympa, cette petite ambiance entre vous qui êtes en live et en direct, et vous aussi qui êtes sur YouTube et en différé via les commentaires. Alors, j'y ai joué un petit peu dans mon lit. Néanmoins, j'ai pas avancé. Je suis resté dans ce monde-là, de ce désert glacé, évidemment. Depuis qu'on a libéré et qu'on a tué le sbire de Bowser et que la pyramide s'est élevée là-haut, j'ai récupéré juste quelques lunes qui traînaient un petit peu dans ce monde-là. Donc j'ai pas mal de lunes juste pour ce monde, vous pouvez le voir à gauche, en haut à gauche. Je pense qu'on va enfin pouvoir tracer et décoller. J'ai pas alimenté, je sais pas du tout ce qui va se passer. Il en fallait 16, on en a réellement, je pense, on doit en avoir combien ? 3 et 3, 6, 7, 8, 9, c'est 10. Là, on en a 30, hein, peut-être. Hein. Ah, on en a même plus, on en a 35. On a 35 lunes. On est large, on est très très large. Au minimum 35 lunes. On est parti, les gars. Donc, on va alimenter. Comment on fait? Quelle est cette touche? Okay. On va alimenter avec les 16 lunes notre chapeau volant. Et on va pouvoir découvrir le prochain monde. Et je ne sais pas du tout ce que ça peut être. J'en ai strictement aucune idée. J'ai hâte de le découvrir en même temps que vous. C'est parti, vas-y, fais-moi rêver, mon petit Mario. L'Odyssée a gagné en puissance. Alors, sachez un truc, c'est que je mourrais d'envie d'y jouer sans vous. Voilà, c'est le genre de jeu, ça se fait au fond du canapé, ça se fait au fond du lit, sans personne, vraiment. Donc, je vais pas beaucoup lire le chat, je suis désolé pour tous ceux qui me suivent en direct. Évidemment, je pense à vous, je vais lire, il n'y a pas de souci de temps en temps, mais je vais pas passer mon temps à lire le chat. J'ai envie d'apprécier ce jeu à sa juste valeur. Et aussi prendre soin de ma voix, pourquoi pas. Donc c'est parti, on change directement, presque de continent. On dirait les States. Oh, j'ai le choix. Oh, c'est incroyable. Ah, cette fois, il va falloir y aller au pifomètre. Tu crois que Bowser est parti par où? Ah, pays du lac et pays de la forêt. Mais c'est trop bien, on a un choix. Pays de la forêt, c'est quoi l'image? Ouais, pays de la forêt, ok. Ouais, c'est une forêt montagne. Ça m'inspire pas beaucoup, pays du lac, ça a l'air beau, mais... monde aquatique, aïe aïe aïe, monde aquatique. Ah, je sais pas si je suis prêt à me lancer dans un monde aquatique maintenant. Je pense qu'on va faire le pays de la forêt, les gars. Allez, direction le pays de la forêt, c'est parti pour un tout nouveau monde. Ça va être incroyable. Il faut savoir que, comme tout jeu Nintendo, si tu veux faire vite, tu peux finir le jeu très 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 rapidement. En 2 heures, je crois, d'ailleurs, ça a déjà été speedrunné en moins de 2 heures. Tu peux finir le jeu très 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 rapidement. Et pour être très honnête avec vous, c'est... comme je disais, comme tous les jeux Nintendo, le choix t'est posé en fait. Mais vous savez très bien que, comme la plupart des jeux Nintendo, tout comme Zelda Breath of the Wild, quand tu l'as fini, c'est pas fini. C'est comme le début en fait. Tu as fini le pèlerinage, ton aventure principale, il y a tellement de choses à côté. Ah oui, je m'étais habillé au Mexicain, aux couleurs du pays, les gars. Bon, là on va dans la forêt, donc c'est plus trop crédible, mais bon. D'abord Tiara, maintenant cette bague d'union. Il faut vite qu'on les rattrape. Bon, bon, bon. Si on profitait du voyage pour faire un peu de lecture. Truc de voyage, lancez autoguidé. Après avoir lancé votre chapeau, secouez à nouveau la manette pro pour effectuer lancer autoguidé. Le chapeau se dirigera automatiquement vers la cible la plus proche. Très pratique pour corriger un lancer raté. C'est bon à savoir, non? Et maintenant, je voudrais en savoir un peu plus sur le pays de la forêt. Apparemment, ils font pousser des fleurs dans une serre géante. Et la région serait célèbre pour son bouquet d'exception. Et oui, le bouquet. Donc Bowser est parti dans le pays de la forêt récupérer un bouquet pour son mariage avec la princesse. Princesse qu'on est censé d'ailleurs sauver. Nous voici donc arrivés au pays de la forêt. J'aurais peut-être dû prendre le lac. Ça fait trop de verdure là avec le tout premier monde, le début du jeu. Sur le chemin du jardin céleste. Oh, on a une plante. Il y a un effet arc-en-ciel. Ok, on est parti, les gars. Pas vraiment silencieuse, cette forêt, on dirait. D'ailleurs, est-ce que je peux, vous croyez, aller dans le bateau et changer?
Aller au lac. Ah non, pour redécoller, il me faut 16 lunes de ce monde-là. Très bien. Donc, t'as plus trop le choix une fois que t'as choisi. Bon, on va visiter calmement, les gars. C'est grand, en tout cas. Hein. C'est grand. Je trouve hallucinant ce Mario. J'aime vraiment. Je l'aime vraiment beaucoup. Il y a des lunes pour tout et pour rien. Il y a des petits défis qu'on avait fait d'ailleurs en live, mais qui n'étaient pas record. Il y a plein de petits trucs cool. Ce Mario, c'est réellement le petit feu, les gars. Qu'est-ce qu'on a là? Prendre une photo de cet indice. D'accord, vous pourrez le consulter à tout moment. Donc vous voulez que je prenne une photo, c'est ça? Ok, on va prendre une photo. Mais c'est quoi l'indice? Aller vers trois bourrasques. Ok. Une tortue. Ok, on prend la photo. Hop, c'est bon. On a la taupe, les gars. On verra un petit peu plus tard. Ah, on peut shooter, ok. D'accord. Ah, ça peut se casser. Peut-être une lune. Si on les casse tous. Oh, c'est impeccable, ça me plaît, ça. Ça va, Mario, il est petit? Il passe pile poil. Ok, on a quelque chose ici. Voilà, jusqu'ici aucun souci, les gars. On vient d'arriver dans le nouveau pays, le pays de la forêt, encore une fois. On a un cube ici. Bizarre ce rocher, hein? Ouais, très bizarre, ouais. On dirait dans Destiny un petit peu, tu sais, des rochers qui renferment un savoir. C'est un drôle de caillou, mais on dirait qu'il ne fait rien de spécial. On verra peut-être plus tard. Ok, on a des trucs, je peux envoyer ma casquette ici. Ah, peut-être en hauteur. Ah non, c'est un magasin. Ok. On a des cartons. D'accord, toujours pas de lune pour l'instant. On a une radio, trop stylé. Je peux danser? Ah, ça change de station. Ok. Bon, on va voir ce qu'il a. Attends, pardon frérot. On va voir ce qu'il a à nous vendre. Bonjour client. Donc ça c'est le magasin de la forêt. Il exhibe deux types. Ok, je connais. J'ai combien? J'ai que 6 boulons. 6 boulons, je peux avoir ça. Chapeau d'expéditeur. Dans 10 boulons, je peux avoir une belle tenue. Il y a des tenues assez cool. Et je peux avoir un arrosoir de jardin. Ok. Pas intéressant pour le moment. Par contre, j'ai 1024 pièces. Ah, il y avait la tenue de maillot de bain qui m'attendait dans le monde précédent. On y retournera. Ok. Une lune. Il y a une lune à acheter. Bah, on va l'acheter. Au moins, c'est ça de fait. J'achète. Merci beaucoup, mais de rien, mon frérot. Allez, déjà une lune. On a la lune, la première lune de ce monde. On l'a eu en l'achetant dans un commerce. Mais bon, le commerce profite à tous. Affaire en or! Ok, on continue, les gars. On continue. Qu'est-ce qu'on a? C'est bizarre, on dirait que tu ressembles à Michelin dans un truc comme ça. Ça, faut que je l'achète. Je suis désolé, les gars, faut que je l'achète quand on sera dans le monde du lac. C'est obligatoire, plus tard. C'est obligatoire qu'on y aille en maillot de bain, les mecs. Ok. Ok, et ça c'est une nouvelle tenue. Pour mettre de l'huile dans le moteur. Ouais, bon on verra plus tard, on verra plus tard. Pas très intéressant. Être habillé en garagiste, c'est pas le feu. Ah, désolé, t'es un frérot. Les amis, bon, vous connaissez? Ah ouais. Vous connaissez, c'est seulement 19,99. Une affaire en or à saisir. Ok, on est parti, on bouge. Donc là, réellement, on fait juste le contour de la carte. Il y a des lunes partout. Partout. Regardez là-haut déjà. Regardez là-haut. On va récupérer très rapidement. Voilà. Ça, c'est plutôt cool. Oh, il va me poser des questions. On va peut-être pas... si, on va l'embêter ou pas? Non, c'est pas ouf. Il va me poser des questions sur le monde. Et tant qu'on l'a pas fait, on pourra pas y répondre. Donc, va falloir être attentif, les gars, sur tout ce qui se passe. Pourtant, mon vaisseau n'est qu'ici. C'est très étrange. Yo, frérot. Oh, putain. Oh, putain. Tu m'as chauffé, Lascar. Tu m'as chauffé. Tu m'as chauffé. Une lune. Yes. Allez, une nouvelle lune. Deux lunes déjà, les gars. C'est quoi le programme ce soir? C'est du Super Mario Odyssey. Calmement. La pichou dans la forêt. Je suis si anxieux. Mais sois pas anxieux. Il y a un problème. On vient d'arriver. Il s'est rien passé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Par où aller? Ah, j'ai trouvé. C'est juste en face. Ah, le sphinx, on va peut-être lui parler. Hein. Il a peut-être, c'est peut-être pas que des questions à poser. Hein. On va voir. Bougez pas. Frérot, dis-moi tout.
Salutations aux voyageurs, à toi et au couvre-chef qui t'accompagne. As-tu des réponses car j'ai des questions. Qu'a dérobé le monstre Bowser Cupid dans le Havre verdoyant? Non, je sais pas mec, je sais pas. Des fleurs, allez vas-y s'il te plaît. Oh, colporteur de bonnes réponses. Ah putain, c'était bon. Avance car le passage t'est ouvert. D'accord, ok, j'ai dit totalement au hasard, on avait aucune idée, on l'a pas su, on n'a pas fait ce monde encore. Bon, c'est bon. Et si on répond à toutes ces autres questions, les gars, on aura une autre lune aussi. Truc de voyage, salto arrière. Ouais, facile d'atteindre, ça je sais. Faut s'accroupir comme ça. Et voilà, aucun problème. Ah non, le monde s'ouvre à nous maintenant. D'accord, très bien. C'est beau. Ah, on est bien dans une serre géante, je confirme. Ok. Quoi? Donc, ne pas toucher le sperm. Cette substance est toxique. Lance-moi vers elle pour l'éliminer. Ah bon? Ah, trop bien. Ok. Et si je fais ça? Je suis sûr qu'il y a un truc genre nettoyer l'intégralité de la map. On va le lancer que comme ça. C'est quoi cette petite musique? Elle est sympa là. Ça va nous entraîner toute la soirée ça. Enfin, il est vraiment ouf ce Mario hein, les gars. Ok, c'est bon. On va casser ça. Là on peut casser. Peut-être. Non, pas comme ça. On va aller de l'autre côté. Il y a sûrement quelque chose là-haut. Ok. Waouh! Oh, trop bien. Ok. Trop bien. Mec, on peut être la plante. C'est trop stylé. Ok. Oh yes. Une nouvelle lune, ça c'est fait les gars. Encore une. Coin à la noix. C'est-à-dire que dès que j'ai les lunes nécessaires pour bouger, je peux déjà me casser les mecs. Hein. C'est ça qui est cool. Ok. Et rien de nouveau. Ça se casse. On a déjà eu la lune. Yes, je peux casser. Ok, très bien. Trop stylé cette plante. Ok. Pardon, perroquet. Waouh. Ok, qu'est-ce que tu cherches? Moi je sais. Caché dans le tunnel. Une lune. Où est-ce qu'elle est cachée? Je sais pas, faut chercher. Dans le tunnel. Où allons-nous? Saper l'hippopète. Le monstre Bowser et sa clique sont encore en haut de la tour. Ah, il y a le sbire, donc en haut de la tour. C'est inquiétant pour les fleurs qui sont là-haut. Ok. On a quelque chose là-dedans. Désolé les gars, j'ai un petit peu loqué. Truc de voyage. Saut de charge au sol. Un peu plus haut pour atteindre un endroit plus élevé. Très bien. D'accord. Ok, c'est juste ça que je veux rentrer là-dedans. Il y a forcément une lune là-dedans. Il y a des lunes partout dans le jeu, c'est ça qui est incroyable. Oh putain. Je sens que ça va déjà être le cancer ça. Oh, ça va déjà me saouler. Les mondes dans l'eau comme ça là. Ok. Ok. C'est pas mal. Ah! Vite, tombe! Putain, Mario. T'abuses. Allez hop, ça c'est fait. Une nouvelle lune encore une fois. J'ai envie de le tuer ce perroquet, mais pourquoi il vous a fait quoi? Sous-sol inondé, c'est bon. On l'a récupéré cette lune dans le tunnel, ça doit être ça que le perroquet parlait, je pense. Ça doit être de cette lune, très bien. Très bien. On a un truc par ici. On récupère. Sans problème. Voilà. En plus, c'est des pièces. Ça, il les faut les boulons aussi.
Attends, c'est moi ou... Oh d'accord, ça repop. Dur. Ok. Ok. Oh putain, j'avais oublié. Waouh. Putain. Merde. C'est chaud. Ok. Voilà. Allez, ça dégage. Elles étaient tellement chiantes. Ok, ce monde a l'air plus petit. Il n'y a pas de petit village. Allez, ça je prends volontiers. Au pire, je pense qu'on va trouver une lune dans pas longtemps. Merde, le con. Putain, le con. On est bon. Là, il y a quelque chose de l'autre côté. Allez, c'est pas mal ça. Ok. Aïe. Ok. Oh le salopard. Je l'ai feinté. Là y'a rien. Ok, il y a beaucoup de trucs là-dedans. On va tous les faire, les gars. C'est possiblement des pièces en plus. Là, on va aller par là. Yes, une nouvelle lune. Allez, boum, cinquième. J'ai arrêté de compter, on en a tellement. Cinquième, c'est pas mal. Plus que 11, les gars, et on pourra reprendre le navire quand on le souhaite. Oh, trop bien. Il est pas trop stylé ce Mario, les gars. Aïe! Oh, je peux marcher comme ça! Miskin! Ok. Hop. Non, non, non! Ok. Je suis une plante, hein. Finalement, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que je puisse subir des dégâts de chute. Ok, ça c'est fait. Attendez, hein. Allez. Voilà. Elles sont chiantes, ces plantes. Mais quand t'as le coup de main, c'est bon, c'est terminé pour eux. Ok, on a cette grosse plante, qu'est-ce que c'est? Yes! Une lune? Allez, encore une nouvelle lune, les gars! Ça, c'est cool, ça! Salut, c'est quoi, jeu? Oh là là, ne pas connaître Super Mario Odyssey. Ne pas connaître Mario tout court. Ne pas connaître Mario tout court. Tu devrais reconnaître très rapidement, pourtant. Hein. Allez, on est parti! Les voleurs de fleurs du jardin céleste! Oh, un nouveau donjon s'offre à nous. Elle est où cette entrée? Ok, on est parti. On est parti, on est parti. Bah voilà. Super, on peut l'utiliser pour traverser. Enfin, on peut utiliser ça pour traverser, mais c'est pareil, je remixe un petit peu les dialogues, les gars. Ok, là on a pas mal de trucs si on fait vite. Oh non, dur. C'est bon. Ok. Wow, 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 wow. Je suis comme Mario, je suis dans le tuyau. C'est la fin, c'est un suicide. C'est totalement un suicide. C'est totalement un suicide, les gars. Allez, on continue. Je vais y arriver, je vais y arriver. Vous savez qu'il faut toujours insister, hein. Quand je fais le show, mais si ça se roule, je vais plus vite que le bordel. Non, c'est bon. Hop. Ok, donc je disais. Aucun souci. Non, voilà. Ah,
Allez, encore une nouvelle lune. C'est beau, ça. C'est beau. Tour à la noix. Tu m'étonnes. Allez, on est parti. Ok, on va faire gaffe, les gars. On est reparti sur le nouveau chemin. Chaque moindre détour dans ce Mario Odyssey, les gars, c'est pour une lune. Sachez-le. Moindre chemin qui peut se séparer, c'est pour une lune. Ok, on va faire le boss. Je sais pas si c'est le boss d'ailleurs encore. Non, je pense que c'est le sous-donjon. Je pense que c'est le sous-donjon. Ah, très bien. Ah. Ah oui, d'accord. Ah, ça, c'est salaud. Ça, c'est méga salaud, ça. Les plantes disparaissent. Ok. C'est pas mal. Ah, dur. Allez, on a récupéré une jauge de vie supplémentaire. Encore une lune, oh là là, mais c'est incroyable. C'est incroyable, renfoncement à la noix. En fait, tout est à la noix finalement. Ok, viens par ici. C'est pas mal ça. Il y a forcément. J'ai forcément loupé quelque chose, hein, les gars, c'est sûr. Je connais suffisamment bien les devs pour savoir. Oh les bâtards. Je l'ai. Aucun souci, salut les gars, salut B-Boy, bien ou bien? Bah oui, ça va et vous? Étirement vertical, on est parti les gars. On a déjà suffisamment de lune bientôt. Ça va vite quand on s'amuse. Rien de mieux pour occuper son vendredi après-midi ou samedi. Tour du jardin céleste. Allez, c'est parti, il y a un mini-boss. C'est parti. Descends. Si t'es un lapin. Vous arrivez trop tard, les nuls. Le bouquet d'exception est à nous. Circulez qu'on puisse récolter les autres fleurs tranquilles. Ok, c'est lui qu'on va affronter. Il y a de la vie. Ah, ça va être chiant. Allez, un coup déjà. Ok. Waouh. Il met des gelées de sperm derrière lui. Ça, c'est pas le boss du niveau, hein, c'est le mini-boss. Hein. C'est le sbire, quoi. Le sbire de Boozer, comme. Il fait le signe anarchiste! Ok. Quoi? Quoi? Voilà, c'est bon. Ça coûte un cœur, mais c'est mieux que rien. Ok, il y a que ce coup-là hein, qui vaut quelque chose. Pour nettoyer tout ça très rapidement. Allez, plus qu'un coup, c'est bon. C'est terminé pour lui. On va le faire tout de suite, d'ailleurs. Aïe. Allez, allez. Allez. C'est bon, c'est terminé pour lui. Ça nous a coûté quand même une jauge complète. Win70, yo, B-Boy. Tombe dans le vide de ce monde, tu vas kiffer. Ah, on verra ça. Je le ferai tout à l'heure, mec. Je le ferai tout à l'heure, là j'ai pas monté ici pour rien. Allez, 3 lunes supplémentaires. Petit morceau de gratte, c'est cadeau, c'est pour vous. Les voleurs de fleurs du jardin céleste, ça c'est fait. Bonne chose de fait, on a fait le milieu de boss. Le petit boss du mid, c'est plutôt cool. Passage vers la cache du clos fleuri. Ouvert. D'accord. Alors mec, pour aller là-haut, va falloir se lever tôt. On est de retour au vaisseau. Vous savez quoi? Quelque chose vient d'atterrir là-bas, où j'ai rêvé. Où ça? Je vais tomber dans le vide de ce monde, hein, parce que vous me l'avez dit. Ok, il y a quelque chose qui est tombé là-bas, apparemment. On va y aller. Yo les gars. Il y a des fleurs. Waouh! Waouh! C'est quoi ce délire? Waouh! Ok, faut que j'arrête de faire l'étonner à chaque fois. Bon,
Bonne chose de faite, les amis. On va aller là-haut. Attends. Si je fais ça... Ah non. Je pensais que je pourrais courir sur le mur tellement j'étais rapide. Mais j'étais nul à chier, mec. Très bien, bah on va pouvoir continuer. Par contre, il y a quelque chose qui est tombé. Il a dit là-bas, mais quoi? Je suis sûr qu'on peut danser là, non? Non, 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 il n'y a rien à faire. Il y a quelque chose qui est tombé, mais je sais pas de quoi il parle. Donc je pense qu'on va continuer, on va tracer notre chemin, les gars. On va tracer notre chemin. Allez, on est parti, les gars. Vous savez quoi, on va s'arrêter là. Oh, c'est un nouveau sub, c'est les 5 mois. Merci, Mirfix. Mon petit B-Boy, 5 mois déjà. Trop de bonheur avec toi. Merci, tu clôtures très très bien cette vidéo. 5 mois déjà, ça fait 7 mois qu'on est sur Twitch. Merci infiniment à toi. Ça fait plaisir. On va faire une petite page de publicité. Vous, ça vous coûte une VOD et je relance la VOD suivante. Donc ne bougez pas si vous êtes en live. Et on revient très très vite. On va continuer notre incroyable aventure et péripétie. A très vite, les gars.